Ça me fait beaucoup tout penser à GTA. Oh là là, sa mère, monsieur. Bah, tu m'étonnes que ça me fait penser à GTA. On est exactement, vous reconnaissez où on est. Hi guys, welcome back to a new video. I'm Mkolo and today we are going to discovering American Truck Simulator. Ouais, je vais arrêter là. Salut à toutes et à tous, il est 16h les amis. J'ai acheté American Truck Simulator sur Ineba. Je vous le rappelle, transparence. Et ça y est, on va le découvrir ensemble. Rien n'a été configuré, je ne l'ai même pas encore lancé, d'accord? Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. On est parti. Allez. Ouais. Jusque là, on reconnaît bien SCS Software. Ouh ! American Truck Simulator. Aïe, 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 aïe. Bon, on n'est pas dépaysé, on n'est pas... Ah ouais, on n'est pas du tout dépaysé avec Euro Truck, hein. Non, je ne veux pas de ça, moi. Je m'attendais pas du tout à la même interface, en fait, pour le coup. Par contre, la musique. Ah, ça donne envie de jouer à Days Gone. Vraiment. Buffalo Grill. Ah ouais. Oh non, ça fout le seum par contre, hein. Là t'as l'impression que t'es sur Euro Truck et que t'as installé un milliard de mods et de DLC. Alors que pas du tout, c'est du Vanilla. Donc ça fout quand même le seum, tu dis que déjà que c'est plus travaillé que Euro Truck. Ok, stylé. Allez, on démarre le moteur. Alors je vais juste écouter le klaxon. Ah ouais, ah c'est pas... Ah c'est pas très américain ça, si je puis me permettre. Fais péter le moteur. Allez, utilisez votre contrôleur additionnel pour déplacer votre camion. Essayez de conduire. Ah oui, mais du coup, c'est le tutoriel. Allez. On va avancer. Oh là là. Oh, ça fait bizarre. Ok, bon, en fait, là, vraiment, pour le coup... Oh là là. En fait, c'est vraiment comme Euro Truck Simulator, mais... Mais c'est pas pareil en même temps. Alors, attendez, je vais enlever le rétro, là. Oh là là, mais c'est dingue. Attendez, pourquoi j'ai un feeling différent? Attendez, alors je saurais pas comment vous expliquer. Mais attendez, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre la différence avec Euro Truck et pourtant je la ressens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas pareil. Ah c'est... Alors là j'aurais dû marquer un stop mais... C'est peut-être... Je sais pas. Attendez mais les gars... Je ressens un truc différent. Alors oui, ça, il nous montre les caméras, etc. Je ressens un truc différent, genre peut-être la hauteur du camion ou l'avant du camion. C'est peut-être l'avant. Ouais, ça doit être l'avant du camion qui me perturbe. Et le fait qu'on soit super haut, mais le volant même, c'est pareil. Ah, je sais. Putain, je suis complètement con, les gars. C'est parce que la caméra, elle bouge pas en même temps que je tourne le volant. Donc tous ceux qui m'ont demandé en commentaire comment je faisais pour que la caméra tourne en même temps que le volant, je vais vous montrer. C'est dans les options. Vous allez dans jouabilité, si je dis pas de bêtises. Et normalement, vous avez à quelque part ici, rotation de la caméra avec le volant. Et là, tu l'actives. Voilà, tout simplement. Et là, tu peux régler l'intensité. Et j'aimerais aussi mettre les mouvements physiques de la caméra pour que ça bouge quand il y a des... Incroyable. On va mettre les noms secondaires aussi. Ok. Eh ben on est reparti. Putain, j'ai... Ah, voilà, là, tout de suite, ça me paraît un petit peu plus familier. Ok, alors les clignotants, ils sont en bas, on les voit presque pas. Putain, c'est incroyable, mais c'est pas du tout le même feeling, par contre. C'est pas du tout le même feeling. Mais c'est très beau. Oh là là. Oh, ça va me plaire. Ça va me plaire, je sais pas... Oh, bonjour, monsieur. Ça va me plaire, là. Putain, on est à Los Angeles, les frérots. Allez, je le double par la droite, je suis un petit kekos. Oh, et du coup, il y a les jeeps et tout. Bah, bienvenue aux États-Unis, les gars. Regardez-moi ça. Hein, bande de gros pollueurs. Incroyable. Bon, je suis totalement en excès de vitesse. Parce que si je comprends le GPS, la vitesse, c'est 30 miles per hour. Et j'étais à 40, si je dis pas de bêtises. Enfin, presque à 40. Oh non, j'étais à 35, en fait. Waouh, les petites bagnoles à la GTA et tout. Mais bien sûr. Mais bien sûr, on est sur GTA, les frérots, en fait. On est sur GTA. Comment on fait pour enlever les trucs dead? Là, j'en ai rien à faire, moi. Ah ouais, mais du coup, je suis dans le tutoriel, c'est pour ça. Incroyable. Vraiment incroyable. Et vous pensez que les radios, c'est des radios américaines? Parce que du coup... Ah ouais, il y a les feux qui nous disent d'aller à gauche, et nous, là, maintenant, c'est tout droit. C'est incroyable. Oh, et les ambulances. Check, check, check. Putain, mais c'est trop la classe. Oh non, mais vraiment, mais c'est trop la classe. Mais en fait, je vais faire...
Je vais aussi faire une aventure sur American Truck, les gars. Vous aurez deux fois plus de vidéos simulation. Non, ça dépendra de vous, c'est vous qui allez me dire si ça vous intéresse ou pas aussi des vidéos sur American Truck. Mais, ouah, ça fait du bien, hein. Quoi qu'il arrive, j'en referai. Alors là, le feu est vert pour aller à gauche, mais pas pour aller tout droit. Faut faire attention. Ah là, il va passer au vert, regardez, regardez, regardez. Pas du tout, si. Trop fort. Par contre, voilà, on va se calmer direct. Alors, c'est pas configuré de la même façon au niveau des pédales par rapport à Euro Truck Simulator, puisque j'avais tout fait de manière comme je le voulais. Du coup, là, c'est vraiment... voilà, c'est pas configuré comme sur Euro Truck. Mais c'est sympa, c'est différent et c'est peut-être un peu plus réaliste comme ça. Parce que je me suis trop mis dans un confort sur Euro Truck. C'est moins réaliste, peut-être. Donc, il faudra que je remette un peu par défaut sur Euro Truck. Oh, regardez, c'est trop beau, les palmiers, tous les frérots, les frérots, les frérots. Est-ce qu'on peut changer peut-être? Bien sûr, c'est comme sur Euro Truck. On peut changer notre position, parce qu'en fait, mon champ de vision me dérange un peu, parce que je ne voyais pas le rétro. Voilà, alors peut-être il faudrait que je me mette, voilà, plus à gauche. Non, ça va me perturber de ouf. Je peux me permettre de me rapprocher, parce que je sais que ça stresse pas mal de personnes. Mais voilà, histoire que je vois un peu le rétro quand même. Parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Ok. Ah, eux aussi, ils ont les triangles de trucs pour dire qu'il y a un danger. Je savais même pas, tu vois. Le mec, il découvre, waouh, les grosses bagnoles. Mais on est vraiment aux États-Unis, hein. On est vraiment aux States, hein, pour le coup, hein. Mais attendez, on dirait... Ah bah non, on n'est pas sur une autoroute, mais ça me fait penser pareil dans GTA. Mais alors, je dis GTA, mais comme dans la vraie vie, ça me fait penser au... Bah, sur le front de mer et tout. Bah, en même temps, c'est logique. On n'est pas loin de la mer. Vas-y, qu'est-ce que je raconte? C'est logique. C'est complètement logique. Mais par contre, je vais avoir du mal. Hop, les petites lumières. Oh là là, c'est stylé. Je vais avoir du mal à comprendre la vitesse. Là, je suis à 35 miles par heure. C'est ça? Ouais, d'accord, ok, c'est bien ça. Après, c'est écrit en tout petit, c'est un peu la galère. Compliqué de respecter les limitations. Putain, c'est super sympa, hein. Oh, c'est super sympa, hein. Ok. Du coup, petite parenthèse, hein, pour ceux qui me suivent aussi pour le Euro Truck, j'ai acheté en même temps que ce American Truck, je fais n'importe quoi, j'ai acheté l'avant-dernier DLC qui me manque. Donc là, il me reste plus qu'un DLC et j'aurai tous les DLC de map et je pourrai avoir accès au Pro Mode sur Euro Truck. Et ça, c'est stylé. Oh là là, le volant il tourne nickel. Eh, mais c'est beaucoup mieux que Euro Truck. Mais c'est ma configuration, attention. Je sais pas, Euro Truck, le problème c'est moi qui ai mal configuré, je pense, sur Euro Truck. Putain, c'est stylé. Eh bah, tu sais quoi, la flemme, voilà, hein. Ok, on a fait 7 miles, c'est des miles. Ah bah oui, c'est des miles. C'est quoi cette musique? On dirait qu'il y a Chris Brown qui va chanter dessus, quoi. Incroyable. Allez, je veux vous voir, la communauté American Truck Simulator, bombardée de pouces bleus. Et pareil, la communauté Euro Truck, dites-moi et tout. Ah là là. Après, je connais pas, ça se trouve vous êtes tous réunis dans la même communauté, mais voilà, là c'est excellent. Ça y est, ah oui, bah les petits garages, ça c'est de toute façon... Mais déjà, c'est quand même plus classe que sur en France, quoi. En France, c'est tout de suite, enfin Euro Truck, c'est tout de suite moins stylé. Ça, c'est plus stylé, on a déjà les étoiles, c'est très patriotique. Franchement, ça pète. Allez, merci monsieur. Choisissez votre prochaine mission, carte du monde, regardez-moi ça. Là, on pourra rajouter des modes aussi et tout. Oh là là. C'est bon ça. Ah, y a pas énormément, hein. On dirait y a pas énormément. Même Euro Truck est plus complet, on dirait. Jackpot. Alors y a que la partie ouest, hein, du coup. Hein. On n'a pas là-bas New York et tout. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est vraiment. Oh, je veux aller à Santa Maria, mais direct. Oh, oh les gars. Mission rapide. Je veux me faire un petit Los Angeles Santa Maria. C'est pas possible. Y a pas. Ah si, Santa Maria. Allez, on va faire toute la côte ouest en passant par Oxnard. Oh là là. Let's go, accessoires domestiques. C'est quoi des accessoires domestiques? C'est un peu curieux si je puis me permettre. Ça me paraît curieux. Le tableau de bord est incroyable. Par contre, les rétros, c'est dégueulasse, hein. Parce que là, normalement, sur Euro Truck, tu vois bien le rétro tout de suite, alors que là, ils sont vers le bas, c'est vraiment le futur, leur truc, hein. Bon, je regarde le... Ah oui, c'est vraiment un peu... Oh, la classe. Attends, le klaxon. Non, toujours aussi pourri. Par contre, le camion, mais il pète sa mère. Mais il pète sa mère, le camion. Mais c'est un truc de fou. Oh là là! Non, par contre, ça m'excite. Hein. Ah non, là, je vous le dis. Oh là là! Ah. Ah, je me disais bien que la vitesse, elle était pas passée. Oh, ça pète sa mère. Et y a que des jeeps, c'est incroyable. C'est vraiment cliché, par contre. C'est vraiment cliché. Oh, le bruit du clignotant, mon pote. Incroyable. Allez, on marque le stop. Personne à gauche, personne à droite. On est parti. Oh là là, putain, mais c'est tellement kiffant!
En vrai, je pensais pas que ce serait comme ça. Voilà, je vous ai déjà raconté l'anecdote. Eh, on peut pas tourner à droite aux États-Unis? Genre là, j'ai pas le droit de tourner à droite sans respecter le feu? S'il y a personne qui vient de la gauche, je sais pas. Je connais pas, mais il y avait pas un truc comme ça? Ah? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, à mon avis, il voulait me laisser passer, hein. Je pense que j'ai le droit, hein. Je pense que j'ai le droit. Ça dépend peut-être des états. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pour raconter l'anecdote, j'en avais déjà parlé. Mais moi, à la base, j'avais vu... oh là là, l'avion. Et la montgolfière. Enfin, la montgolfière. Non, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Mais putain, mais on est sur GTA, les frérots. Ça... Est-ce que ça, c'est un truc que tu vois tous les jours dans la vraie vie aux états, à Los Angeles? Parce que là, je commence à me poser des questions. Hein. C'est incroyable. Ouais, je disais... ah, comment il s'appelle? Steel Horse. Bien sûr, j'avais vu une petite partie de gameplay d'American Truck Simulator chez Steel Horse. Et c'était vraiment les States en mode Route 66 et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, les décors sont sympas. Mais voilà, c'est un jeu qui est différent. Mais en fait, c'est comme Euro Truck, mais version States, quoi. Par contre, j'ai pas regardé dans le rétro. Pauvre de moi. Voilà, par contre, le frein, il ne freine absolument pas. Hein. Waouh! Va falloir que je reconfigure le frein. Parce qu'en effet, sur Euro Truck, en une pression, c'est réglé. Oh là là, putain, c'est super stylé, vraiment. C'est vraiment super stylé pour le coup. Oh, et regardez! Ah, attends, tout bête. Bon, je peux pas zoomer, j'ai pas configuré le zoom. Mais regarde, là, si je me mets en neutre, on le voit. Attendez, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle sur le tableau de bord, mais c'est incroyable. Genre là, hop, je me mets en neutre. Putain, ça me rend fou. Non mais regardez, hey, ça, cette intersection, ça me fait vraiment penser à une intersection sur GTA. Je suis désolé, moi, ma rêve, c'est GTA et tout, mais moi, je suis un grand fan je suis un grand fan de la côte ouest, des States. Du coup, bah forcément, ça me fait beaucoup tout penser à GTA. Oh là là, sa mère, monsieur. Bah, tu m'étonnes que ça me fait penser à GTA. On est exactement... Vous reconnaissez où on est. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais non, mais... Excusez-moi, là par contre je vais avoir du mal à me concentrer. Je suis désolé, mais vous reconnaissez et c'est incroyable. Si vous reconnaissez pas, ça m'étonnerait, franchement. Oh là là, mais c'est... Pardon, je fais n'importe quoi, mais là le pont et tout, c'est le trailer de GTA. C'est là qu'on commence la mission où on vole une voiture au tout début du jeu. Voilà, je fais n'importe quoi. Ça mérite, franchement, non mais là faut faire des screens. Studio photo, Eh, mais là je suis comme un gamin, mais punaise, j'ai dit punaise. Oh là là, mais regardez-moi ça. En plus avec la face avant du camion. Regardez, c'est dans cette maison qu'on vole notre première voiture. Tu sais, mais c'est incroyable. Oh là là, attendez. Laquelle serait la meilleure pour la miniature? Je sais pas. On va se mettre comme ça. Tac, l'angle de champ comme as. La force de fou, ça dégage. La statue, ça remonte. Ça, on met de traviole. Et là, on est vraiment pas mal. Peut-être un peu plus comme ça, histoire que ça fasse plus America. Voilà. Punaise, je suis tellement content de... Je ne m'y attendais même pas. C'est exactement... voilà, c'est incroyable. Et oui, il y a les feux ici. Alors nous, on va à gauche, mais c'est exactement comme ça, en fait. Ah, tu vois, c'est pas comme sur GTA à 100%. GTA, évidemment, c'est pas une vraie reproduction. Bah, ni même Euro Truck, hein. American Truck, pardon. Mais on reconnaît de ouf. Non, mais attendez, les gars, je vais aller à gauche. Les gars, j'en ai rien à foutre, je vais aller à gauche. J'en ai rien à foutre. Lui, il a compris ce que je voulais faire derrière. C'est l'essentiel. Je veux aller à gauche. Je veux voir. Putain, mais c'est incroyable. C'est juste phénoménal. Bon, là... Le truc en l'air, là... il est AFK, on dirait. Putain, c'est dingue. Avec le bateau juste là. Oh là 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 là. Eh ben oui, donc c'est Santa Monica. Voilà, c'est Santa Monica. En fait, je trouvais plus le nom et tout, mais et voilà. Et là, c'est la piste cyclable, genre. Enfin, piste cyclable, non, mais... C'est pas une piste cyclable, mais c'est un petit chemin. Mais c'est comme sur GTA, mais différemment, forcément. Et vous voyez, là, il y a la traction, la grande roue. Vous reconnaissez avec l'autoroute juste là et tout, bam. La piste cyclable, justement, elle est là-bas, en fait, derrière. Et oh là là, mais c'est une tuerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et on va découvrir un point d'interrogation, d'ailleurs. C'est une dinguerie, putain. S'il vous plaît. Ah ouais, le truc de glace et tout. Non mais attendez, s'il vous plaît. Là pareil, là il faut faire des photos.
Oh, je suis comme un gosse, je suis comme un gosse. Ce qui est dommage. Ah, voilà, peut-être comme ça. Oh, comme as. C'est pas trop mal. Tac, on enlève la force de flou. Là, ça tue. Hop, oh là là. Oh oui, c'est bien mignon, là, comme ça. Ah, mais je suis comme un gamin. Je suis désolé si je vous casse les oreilles. Alors ça, c'est une agence de recrutement. Oh là 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 là. Voilà, bienvenue Santa Monica avec le pont juste au-dessus. C'est exactement comme ça. C'est exact. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, quand je dis c'est exactement comme ça, vous reconnaissez quand même, quoi. Vous reconnaissez, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, du coup, on refait un tour, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas configuré ce bouton. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Franchement, le détour, il vaut le coup. Si je puis me permettre. Oh là 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 là, s'il vous plaît. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Là, on arrive de nouveau au feu. Attendez, je suis désolé, les gars, vous allez me détester. Vous allez me détester, mais s'il vous plaît. Là, je veux faire un screen. Ah putain, évidemment, il y a l'arbre. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh. Oh là là, regardez, voilà, comme ça on comprend bien là, à la Santa Monica. Ça se trouve, c'est pas du tout Santa Monica, hein. Mais bon, normalement c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je suis quand même pas trop mauvais. Saturation, tac-tac, et là mon pote. Oh là là. J'ai trop de choix pour la miniature, mais tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh là, le fond. Vous avez vu là, la plage et tout, là où on écrase tout le monde. Tout. Ouais, bon, bref. C'est incroyable. C'est une tuerie. Le feu, il passe au vert devant. C'est incroyable. Et je reconnaissais pas qu'on était passé par là tout à l'heure. Je reconnaissais pas où on était. Donc là, imaginez qu'il y a le commissariat de police de GTA pas trop loin là-bas, là. D'accord? Je fais que des refs à GTA. Hein. Vous l'aurez compris. Donc là, il faut qu'on se remette à gauche. Je regarde pas les rétros par contre. Incroyable. Oh, c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Là, quand j'ai reconnu ici, c'était incroyable ma réaction, je pense. Ah là là! Quand tu passes sous les ponts, etc. Quand les gens ils marchent dessus. Et par contre, pour le coup, c'est. Quoi? 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 Non, non, non! Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Il ne s'est rien passé! Ouais, je disais, par contre, c'est fidèle hein, au niveau des voitures et puis des gens aussi. Il y a énorme. Et regardez, en fait, il y a un amas de personnes. Coronavirus inexistant, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, voilà. Nous, on doit se mettre à gauche. J'ai pas le réflexe de regarder les rétros. Faudrait que je les prenne. Ces réflexes. Le feu, il est rouge. Avec un peu de chance, il va passer au vert. Pas du tout. Allez. Ça me permet de mieux anticiper le freinage. Oh, c'est magnifique. Et là maintenant on va pouvoir se faire. Du coup en fait là sur GTA quand on est ici c'est une autoroute. Alors normalement on va voir si c'est réel ou pas, s'il y a une autoroute ou pas. Ce qui est sûr c'est que là on va se longer. Ce putain de front de mer incroyable. Speed limit 45. Ah. C'est pas réellement l'autoroute, ça c'est clair. Hop, ouais je suis déjà à 45. Oh c'est magnifique. Ça y est là on monte à 50. Oh là là, mais les gars, ça va être juste méga. Oh! Bon, les gars, je vous laisse profiter. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais c'est une régalade. C'est une régalade. S'il vous plaît. Oh, mais non, mais regarde. Oh non, mais je suis désolé, Euro Truck, hein, mais à un moment donné, faut faire des efforts aussi, quoi. Oh, mais regardez-moi ça. Il y a la police? Oh putain, mais je m'attendais pas à les voir comme ça, mais c'est logique. Bien sûr. Putain, c'est incroyable. En fait, je suis sur GTA, les gars. Je suis sur GTA. Oh, c'est beau. Il y a un avion, j'ai vu un avion. Non, c'est des oiseaux. Oula, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas concentré. Je m'en fous, je savoure, je profite. Je veux vraiment savourer chaque instant. Oh là là là. J'espère que sur la vidéo, ça rendra pareil. Parce que j'ai peur que ce soit pas les mêmes performances. Et la même beauté. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dingue? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Avance gros. Et voilà, et après il me fait peiner. Putain, j'ai plus de patates que son van. Ah mais non, mais c'est limité à 30 aussi. Mais comment tu fais pour rouler à 30 ici? Regarde, là on est à 30 miles par heure. Bah c'est méga long. En fait. Allez là! Ça mériterait de rouler un peu plus quand même.
Oh, je lui mets la pression, mon pote. Oh, bah, il y a la police, tiens, regardez. Bonjour. Ça gaz ? Là, je comprends pas pourquoi cette route. Oh, on va prendre l'autoroute. On va prendre l'autoroute, les frérots, je le vois. Oh, les boîtes aux lettres en mode America, quoi. Oh, putain. Mais qu'est-ce que c'est beau, les montagnes. Oh là 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 là. Mais s'il vous plaît. Alors, ce panneau, ça veut dire intersection, c'est ça ? Un peu bizarre. Oh, une call box. Ok, on va éviter de se perdre. Et nous voici sur l'autoroute. Mais punaise. Oh là là. Alors là, faut pas se perdre, faut aller à gauche maintenant. Il y a tellement de petits chemins en vrai. Allez, Zébardi, mon guigui. Mais c'est super stylé le bitume. Tout. Y a... Je vais tout trouver stylé, les frérots. Hein. Vous l'aurez compris. Et là, c'est limité à combien ? 65 miles par heure. Ah. On se rend pas compte, hein, mais 65 c'est beaucoup hein, en miles. Quoi là, c'est 55 ? Mais tu déconnes. Non, non, mais là, faut rouler un peu là. Je sais pas à combien ça correspond en kilomètre heure. Mais là, pour moi, je suis même pas à 100 km heure, là. Là, je suis à 60 miles. Mais je suis pas à 100 km heure, c'est impossible. J'ai pas ce feeling. Rest area, next right. Ok, moi, je veux aller à gauche. Ah, j'aurais dû sortir avant. Ah, c'est une aire de repos. Putain, mais... La classe! Mais c'est la classe! Oh, les camions, ils sortent de nulle part, par contre, mon pote. Ouais. Ok. Oh là là, c'est trop stylé. J'ai pas vu les panneaux, qu'est-ce qu'ils disaient, mais... En tout cas, je suis à 75 miles par heure et c'est absolument pas la vitesse à laquelle faut aller. Ouais, là, je vais très très vite. Là, je vais très très vite. Oula, il faut peut-être que j'aille à gauche. Ah ouais, ça, c'est mal indiqué. Je vais avoir du mal à comprendre. Je vais clairement avoir du mal à comprendre. Et on découvre Oxnard. C'est fou, non ? Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors là, il faut que Santa Maria, voilà. Je vois les panneaux, je reste ici sur Santa Maria. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Je kiffe. Franchement, c'est une trop bonne découverte, je ne regrette vraiment pas. Ça fait quoi, 20 minutes que je suis en vidéo. J'ai acheté ça sur... Bah du coup, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que j'avais pas prévu de l'acheter aujourd'hui. Mais je l'ai acheté du coup... Alors attends, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Parce qu'aux États-Unis c'est pas pareil, hein. Y a pas cette histoire de se rabattre à droite, tu vois, voilà. Je vois plus Santa Maria par contre, hein, si je peux me permettre. Alors, oh, c'est une sortie, on s'en fout. Oh là là, mais c'est incroyable. Bref, donc je l'ai pris ce matin, quoi. Et là, j'ai lancé le jeu sur un coup de tête. Et vas-y, on va découvrir ça, j'ai trop envie. Et je regrette vraiment pas. Comme dit, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et ça fait le plaisir, vraiment. Bon, juste le klaxon. Pas ouf. Oh, faudra voir les customisations qu'on pourra se faire aussi. Ah, il y a trop de contenu là qui vont arriver sur ma chaîne. Là, c'est pas possible. Hein. Et puis, la semaine d'Halloween, je pourrais pas vous faire du Euro Truck ni du American Truck parce que j'ai prévu tout un autre programme. Forcément, un rapport avec Halloween. Donc, mais putain, le bonheur, regardez, on revoit la mer là. Putain. Allez, faut que j'arrête d'être vulgaire par contre. S'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, calmez-moi les amis. Ce qui serait stylé, c'est de pouvoir. Je crois qu'il faut ralentir. Hein. Oh, des Tesla. Ce qui serait stylé, ce serait de pouvoir synchroniser nos paramètres Euro Truck avec American Truck. Et inverse. Je suis presque sûr que c'est possible. Comme ça, ça me permettrait d'avoir mes réglages là que j'ai actuellement sur American Truck, sur Euro Truck. Parce que je trouve les réglages bien plus réalistes que ce que j'ai fait sur Euro Truck. Mais en même temps, j'ai pas encore toutes les configurations. Donc voilà. Oh là là. Regardez, on va à la base militaire, les frérots. On dirait pas on va à la base militaire là? Bien sûr que si. Avec les petites îles au loin et tout. Les gars, mais c'est exact. Non mais frérot. Bon, la différence c'est que sur GTA tu pouvais monter sur les montagnes alors que là ça a l'air un petit peu plus compliqué au vu de la gueule des roches. Ça fait quoi de se faire doubler par un camion avec une bête de voiture comme ça? Je ne sais pas. Oh mais oui, regardez avec les... Mais non! Avec les petites résidences sur le bord là. S'il vous plaît! Mais c'est incroyable! Mais s'il vous plaît! Non mais tout me fait penser à GTA, mais grandeur plus grand. Sachant que dans la vraie vie c'est encore plus grand. Parce que Euro Truck rétrécit déjà le trait. Alors je dis Euro Truck, je suis désolé, hein, c'est l'habitude, mais du coup là c'est American Truck. On va appeler ça Truck Simulator. Ah non, parce que Truck Simulator c'est un autre jeu et il est éclaté au sol. Waouh, regardez comme c'est stylé. Comme il bouge lui à côté. En tout cas, le camion il a une bête de puissance. Hein. Bon, après, la cargaison est pas très importante.
bien passe sous un pont et tout. C'est vraiment, mais... On sait de quoi ils se sont inspirés, quoi. Hein. Ils se sont vraiment inspirés de la vraie vie, les deux, quoi. Les deux jeux, quoi. C'est incroyable. C'est kiffant, quoi. C'est kiffant de voir ça. Quand je pense même que c'est vrai, hein, sur Euro Truck Simulator, il y a une partie d'autoroute en Alsace, vers entre Strasbourg, tout ça et tout, et il y a une partie d'autoroute qui est représentée quasiment comme en vrai. Donc comme là, tu sais, t'as des petits clins d'œil. Donc tu te dis, ouais, si déjà les mecs ont réussi à faire des clins d'œil à des petites parties d'autoroute pas trop connues, bah tu doutes bien que Los Angeles, ils ont quand même réussi à faire des trucs plus ou moins fidèles à la réalité. Ça me fascine. C'est une dinguerie. Et l'interface? Ouais, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Incroyable. Salut copain. Salut Roger. On a une sortie et on va arriver déjà, mais ça va vite, hein. Santa Maria. Après, je pense que sur ce jeu, sans DLC, les routes se font quand même méga rapidement. San Francisco, Santa Maria, c'est à droite. Faut que je me mette à droite. On va prendre une sortie assez bizarre. Only. C'est écrit only. Pourquoi? Uniquement. Ah, uniquement pour aller à droite. Et te mettre la pression, quoi. C'est parti pour la sortie Santa Maria. Ça y est, on découvre Santa Maria. S'il vous plaît. Oh, les tracteurs. America. Fuck yeah. 50% sur les pommes. Putain, vous avez vu ça? Mais c'est une dinguerie. On est chez Trevor ou quoi là? Eh hey, Trevor, j'arrive. Oh là 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 là. Une dinguerie. Je suis comme un gamin. Je suis vraiment comme un gamin. Salut copain. Ah, ils font pas d'appel de phare ici. Ils sont pas courtois. Ok, on arrive. Oh, et le donut, s'il vous plaît. Alors attends, là ça va faire boum. Le donut, s'il vous plaît. Non mais attendez. Manquerait plus qu'on voit une station de police pas loin. Oh, et puis il y a plein de gens quand même, hein. Ils ont mis plein de gens, hein. Plus de gens que sur Eurotruck. Ah ok, on est déjà arrivé. Oh. Nul. Oh mais quel plaisir. Alors, je viens de faire ça comme une bite. C'est pas grave. Hop. Alors. Attendez, ça dépend. C'est quoi la manœuvre à faire? Oh, c'est relou. Ouais, on va plutôt faire ça. Hein. Je suis désolé. J'ai pas envie de trop me mouiller. Entre nous. Alors. Il me semble qu'il faut qu'on aille à droite, là. Hein. Deliver en ligne. Non, faut que j'aille là-bas. Ah, il faut que j'aille là-bas. Ouais. J'ai failli faire une bêtise. Tout va bien. Ah là là, quel plaisir. J'espère que ça vous a plu, les amis. Comme dit, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas, également des vidéos sur ce jeu. Et puis voilà, on se retrouvera très vite, de nouveau évidemment pour du Euro Truck. Et si vous le voulez, du American Truck également. Quel bonheur. Par contre, il faudra vraiment que je reconfigure Euro Truck pour que ce soit pareil, parce que c'est vraiment un pur délice. Hein. J'ai pas le même feeling, hein, et c'est un pur délice, vraiment. Hop! Ah, évidemment, je suis allé trop loin parce que le freinage, par contre, juste ça, il est dégueulasse, le freinage. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'était excellent. On a fait 177 miles. Oh yeah, my name is Chris Brown. Oh yeah. Ah, pareil, il y a les mêmes... Allez, longue distance, appliqué. Incroyable. Et on a reçu un petit mail. Bon, ça va être la même chose que sur Euro Truck. Regardez la banque. Ouais, en fait c'est pareil, à ce niveau là c'est vraiment pareil. Ok, stylé de ouf, Buffalo Grill, j'ai vraiment fait ça. Allez les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.